Amadou Boukoum, directeur général du musée des Beaux-Arts Chinois. Je suis archéologue de formation. Alors, c'était quoi les motivations, les ambitions, puis les objectifs du musée? Ben, ce musée est une très 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 belle histoire. Vous savez, depuis que le mouvement dit diasporique ou renaissance africaine est né aux Amériques, ensuite en Europe, et depuis que les intellectuels d'origine africaine ont rencontré ceux de la diaspora, l'idée du retour est restée permanente. Il y a eu de très grandes rencontres à Manchester, à Londres, à Paris, à Rome. Il y a eu aussi des équipements importants comme la création de présence africaine. Tout cela a contribué à donner à la pensée noire, au mouvement noir, à la négritude, beaucoup d'amplitude. Ce qui a été couronné en 1966 par la tenue à Dakar du premier festival mondial des Amériques. Et au sortir de ce festival, l'idée de créer un musée est apparue très clairement. Et au début des années 70, le président Senghor a pris l'initiative en mai, d'ailleurs en collaboration étroite avec l'UNESCO. Et voilà, il y a eu tout un travail d'élaboration, de conception avec les meilleurs spécialistes de l'époque. Et puis voilà, il est parti dans les années 80. Ensuite, on a eu les années d'ajustement où la Banque mondiale, le Fonds monétaire international nous ont dit que, ou non, n'ont pas dit, ont imposé aux États africains en faillite l'abandon de la culture, l'abandon de l'éducation, l'abandon de la santé. Ils ont expérimenté l'ignorance pendant 20 ans et au bout de 20 ans d'ignorance, ils se sont rendus compte que ce n'était pas ça. Voilà, au début des années 2000, il y a une forme d'afro, vraiment centrisme qui est rené, qui est revenu à l'ordre du jour. Et voilà, donc le projet de musée a été revisité par le président Ward, qui en a posé d'ailleurs la première pierre le 20 décembre 2011. Et puis voilà, en février 2012, il n'était plus président de la République, et donc le président Macky Sall, qui a eu la chance de construire ce musée et de présider à son ouverture le 6 décembre dernier. Donc les objectifs, c'est plutôt représenter les civilisations noires dans le temps du monde. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. On a déjà eu une conférence de préfiguration qu'on avait organisée en juillet 2016 pour dire que doit être le musée des civilisations noires. Alors, ce qu'on avait réussi à faire à l'époque, c'est de dire ce qu'il ne serait pas. On a dit qu'il ne serait pas un musée ethnographique, parce que l'ethnographie, c'est l'étude de l'autre. C'est un concept à la limite coloniale, qui a été forgé pour étudier les peuples colonisés. Et toutes les collections qui ont été réalisées durant cette période, en notre sens, participe de l'Afrique subalterne, de l'Afrique qui n'est plus maîtresse de son destin. On a décidé qu'on ne serait pas ça. D'autant plus que les musées ethnographiques sont les avatars des expositions coloniales qui exposaient dans les métropoles ce qu'étaient les peuples soumis. Qu'on ne serait pas anthropologique, parce que l'anthropologie a fait bien des torts à l'humanité en faisant une distinction entre guillemets entre les races. On a décidé qu'on n'allait pas être subalterne, subalterne au sens où nous n'allions copier aucun musée, qu'on allait faire un musée suivant notre sensibilité. Et enfin, on avait décidé qu'on n'allait pas être chromatique. Ce n'est pas le musée du noir, c'est le musée des civilisations noires dans le temps du monde. Ça, c'est l'orientation générale de ce musée. Maintenant, dans sa réalisation et sa mise en œuvre, il y a eu en mars 2018 ce qu'on a appelé les ateliers de conception pour dire ce qu'on va présenter dans ce musée. Et il fallait définir une philosophie générale. Et l'approche globale qui a été retenue, c'est
je cite, civilisation africaine, deux points, création continue de l'humanité. Pourquoi on a retenu ça? Parce que d'abord, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, avec Toumaï, notre ancien ancêtre commun. Mais l'Afrique, tout au cours de son histoire, a pu développer non seulement des civilisations de la rencontre, on a rencontré beaucoup de civilisations, on a pu tirer, apprendre, donner et recevoir. Mais l'humain est toujours resté. On peut donner de multiples exemples, mais celui qu'on a le plus adulé ici, c'est la charte des chasseurs du Mandé, qui n'a rien à voir avec la charte du Mandé elle-même. Un chasseur, c'est un tueur. Hein? C'est sept articles. Et le premier article dit que toute vie est une vie, y compris celle de l'animal que je vais tuer, parce que malheureusement je dois me nourrir, ou de l'arbre que je vais abattre, parce que malheureusement j'ai besoin de bois de chauffe ou de bois d'œuvre. Ce qui fait que si l'Africain prie avant de tuer un animal, ce n'est pas de la superstition, c'est un respect profond de l'humain. Je pense que ce n'est qu'en Afrique qu'on n'a jamais tué pour tuer. En Europe, on tue pour construire des trophées. On tue par plaisir aussi en organisant des chasses à cour. Rien de tout cela n'est dans l'humanité africaine. Même si aujourd'hui, malheureusement, on constate des dérives avec les chasseurs d'oiseaux qui se sont transformés en tueurs pour des raisons qui sont totalement irrationnelles. Les oiseaux aujourd'hui ont trahi le serment de leurs ancêtres. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la célébration de l'humain. Et ça, c'est la ligne conductrice de toutes nos expositions. Parce que nous avons aussi décidé de ne pas faire ce qu'on appelle les expositions permanentes, pour deux raisons. La première, c'est que les civilisations africaines sont tellement diversifiées, elles sont tellement importantes, qu'il serait réducteur de vouloir les présenter toutes dans une exposition permanente. C'est impossible à faire. La seconde raison, c'est que notre monde avance très vite. Les technologies au niveau de l'information et de la communication avancent très vite. Si vous voulez poser une exposition permanente qui est censée durer 5 ans ou 10 ans, au bout de 2 ans, vous devenez obsolète. Nous avons décidé de ne pas être dans l'obsolescence programmée. Ce qui fait que dans ce musée, on sera toujours dans le renouvellement. Et ce que vous verrez aujourd'hui sera obsolète, démonté dans moins d'un an. On va renouveler. Bon, ceci dit, on a développé quand même une systématique importante. L'Afrique berceau de l'humanité, c'est important. De Toumaï à nous, comme ça s'appelle, ça pense. Les contributions de l'Afrique au patrimoine scientifique, technique et culturel de l'humanité, en commençant par la métallurgie, qui est une science lourde, une technique lourde inventée en Afrique, au moins 2500 avant Jésus-Christ. Ensuite, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la médecine, et tout ça, ça a été présenté. La troisième section, c'est les civilisations africaines. Là aussi, on a pris un échantillon. On a parlé de l'Égypte, on a parlé du Mandé, on a parlé de Benin City, au Nigeria. Le quatrième thème a traité de l'appropriation africaine des religions abrahamiques, qu'il s'agisse du judaïsme, du christianisme ou de l'islam. On a essayé de montrer que, par exemple, si je prends le cas de l'islam, on a un islam soufi, qui est très profond, très proche du Créateur, qui fait que les Bagouis n'ont aucune influence sur nous. Ils ne peuvent pas en avoir ici, par exemple, au Sénégal. Les Salafis, c'est autre là. Ils peuvent faire leur théâtre partout où ils veulent, mais ici, c'est impossible. Parce qu'on a un islam soufi, on a un islam confrérique, on a un islam qui est très proche des préoccupations des humains. La plupart des confréries qu'il y a au Sénégal, par exemple, les Tijanes, les Mourides sont d'origine peul, hein, tout couleur. Ces gens-là ne sont pas dans le djihad. Mais je pense que vraiment, quand on regarde ce qui se passe, l'islam tellement apaisé qu'il y a au Sénégal, qu'il y a au Mali aussi, hein, même si au Mali, c'est des catastrophes. Voilà, donc nous, ici, ce qu'on a voulu montrer, c'est que l'appropriation africaine est une appropriation profonde, enracinée, et qu'elle est d'abord et avant tout humaine. Elle a un visage humain. Elle n'a pas un nuage
une image ou un visage radical. L'autre thème qui est développé, c'est la mondialisation de la négritude. C'est très important, la mondialisation de la négritude, qui part, entre autres, des traites sahariennes et atlantiques. Et pour nous, c'est très important de parler de ça, parce qu'il y a énormément de confusion. On a souvent essayé de faire comprendre, et aujourd'hui, essayé de faire comprendre à nos frères qui sont dans la diaspora, que c'est nous qui sommes restés ici qui les avons vendus. Il y a eu certainement des collaborateurs, c'est incontestable. Mais ce que les gens s'oublient, c'est que la colonisation, c'était l'esclavage à la maison. Il y a deux textes qui le prouvent. Le premier texte, c'est le Code Noir, qui a été édicté par le roi Soleil, qui est considéré comme le prince des arts et des lettres en France, Louis XIV. C'est lui qui a édicté le Code Noir. Ce qui fait d'ailleurs que les écrivains du siècle des Lumières n'ont jamais pipé un mot sur l'esclavage. A contrario, après la suppression de l'esclavage, on a créé le code de l'indigène, de nous, les indigènes, qui instaurait les travaux forcés. Tout ce que les Européens ont réalisé en Afrique, ça l'a été sur la base des travaux forcés. On prenait les gens, on les faisait travailler jusqu'à épuisement, on les déposait, on ne se souciait pas de ce qu'ils devenaient. On prenait d'autres et on continuait. C'était pire d'une certaine manière que l'esclavage. Parce que quelqu'un qui achète un esclave, il fait un investissement. Il essaie de le rentabiliser en l'exploitant au maximum, bien sûr. Mais pendant la colonisation, le gars, il a un vivier. Il se sert comme il veut. Il fait ce qu'il veut et ça va dans tous les domaines, y compris d'ailleurs dans le domaine des mœurs. C'est ça aussi la colonisation. On a essayé de mettre vis-à-vis ces deux éléments. Mais on n'a pas voulu construire aussi un musée de la nostalgie et du passé. Seulement, il y a une section qui s'appelle « Maintenant l'Afrique ». On dit que c'est le temps de l'Afrique, que ce siècle, c'est certainement celui de l'Afrique. Moi, je le crois, à cause de la jeunesse, à cause du dynamisme, à cause des ressources, à cause des engagements. Et là, on a consacré toute une salle à la production contemporaine africaine. Il y a des thèmes incroyablement variés et militants. Moi, il y a deux thèmes qui retiennent toujours mon attention dans cette salle. C'est le laboratoire de déberlinisation et non au djihad à Tombouctou. La déberlinisation, je ne sais pas si vous savez à quoi ça renvoie. On fera le permet. On a mis l'Afrique en cage. Les artistes disent qu'il faut brûler cette Afrique-là pour créer les conditions objectives d'une réunification de ce continent. Non au djihad à Tombouctou par Abdoulaye Konaté le Malien. C'est pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et c'est des thèmes incroyables. Les politiques ne peuvent pas toujours parler de cette manière-là. Mais les artistes, oui, c'est des avant-gardistes. Une société qui ne rêve pas ne peut pas se développer. On a enfin, ou avant enfin, consacré quelque chose à ce qu'on a appelé le dialogue des masques. Tous les peuples du monde ont développé des masques. Le masque, ce n'est pas seulement l'Afrique africaine. Et là, on a montré des masques européens, asiatiques, africains, australiens. Ils sont différents, parfois ils disent la même chose. Et c'est important, c'était pour un peu déchromatiser le musée. Ce n'est pas le musée du noir, c'est le musée des civilisations noires dans le temps du monde. Et enfin, on a consacré une bonne section aux mères de la nation. On a souvent parlé des pères de la nation, comme si les femmes n'avaient rien fait pour l'Afrique. Elles ont beaucoup fait pour l'Afrique et pour la diaspora. Donc là aussi, on a proposé dans une fresque qui est certes incomplète, mais qui va évoluer, parce que nous sommes dans un musée évolutif. Nous ne sommes pas dans le statique. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va présenter des grandes dames, des grandes familles, de toutes celles qui ont fait l'Afrique, qui ont fait la diaspora, qui ont résisté et qui ont refusé l'oppression, mais aussi qui nous ont éduqués, qui ont donné des exemples, qui ont produit des savoirs. En gros, voilà ce que présente le musée des civilisations noires. Juste deux choses peut-être à dire pour finaliser. Au centre du musée, vous avez un baobab en fer coupé qui a été produit par Édouard Duval Carrier, un antillais, un des plus grands sculpteurs sur fer de nos temps. Et qui de fait a offert ce musée, ce baobab,
au musée comme contribution? Alors se pose la question de la restitution des objets d'art. C'est une question importante, très importante, et je pense que le président Macron vraiment a fait bouger les lignes. Il a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Il a aussi eu la bonne idée de mettre deux intellectuels de très haut niveau pour produire le rapport, Félix Sarr et Bénédicte Savoie, qui ont fait un travail remarquable en un temps extrêmement court. Ça, il faut le saluer. Mais dans ma position de chercheur de formation, je vous l'ai déjà dit, je suis dans la durée, dans la très longue durée. Le patrimoine africain, c'est de tout mal, 7 millions d'années, à aujourd'hui, la production contemporaine. Ce qui est dans les musées européens, c'est le reflet de l'Afrique subalterne, qui n'était plus maîtresse de son destin. C'est important, mais ce n'est pas que l'art africain. Ce serait très très dangereux pour nous de penser que le patrimoine africain, c'est ça. Ça fait partie du patrimoine, mais ce n'est pas que le patrimoine, et c'est loin d'être que notre patrimoine. Maintenant, dans ce stock, il y a des objets qui ont des valeurs très symboliques. C'est presque insultant d'exposer dans un musée le trône du roi Béhanzin. Les Sénégalais sont... El Hadj Omar Tall, que j'ai vu qui appartient à El Hadj Omar est là. Mais c'est un prêt de la France. Oui, c'est un prêt, mais bon, je pense que ça va donner un prêt définitif bientôt. Donc, je pense que il faut saluer cette initiative et elle doit surtout nous ouvrir les yeux. Il faudrait que les services en charge de la culture en Afrique continuent à collecter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de production culturelle en Afrique. Les Africains, les institutions ne collectent pas. Tout ça va se retrouver en Europe. Et dans 50 ans, on va dire, oui, nos bagages sont encore là-bas. Mais la faute à qui? Cette fois-ci, s'il y a faute, on est totalement content. C'est différent de la colonisation. La colonisation, on a volé. On a spolié. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faudrait qu'on ait des politiques de collecte, de conservation, de préservation, en attendant qu'on ait des musées dignes de ce nom pour conserver les objets. Oui, c'est une question peut-être qui va fâcher. Non, rien ne me fâche, moi. Je ne voudrais vraiment pas vous fâcher. Hein. Mais essayez de me fâcher. Alors, c'est quand même le musée. C'est 20 milliards chinois pour construire ce musée. Et vous pensez que les Africains n'avaient pas les moyens ou on ne pouvait pas avoir de solidarité assez grande entre nous pour pouvoir financer ce projet? Ben écoutez, moi je pense que le constat, en tout cas on n'a pas eu la solidarité, mais je pense qu'on pouvait certainement le faire si on avait réussi à le partager. Mais ce n'est pas pour autant humiliant. Vous savez que les Chinois ont construit les sièges de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est problématique aussi? Non, ce n'est pas problématique. C'est-à-dire que il faut mettre les choses à leur juste valeur. Ceux qui nous ont colonisés nous ont toujours considérés comme des bêtes de somme. Les Chinois ont connu d'une certaine manière le même sort que nous. Ils savent le poids de la colonisation. Ils ont eu la chance de décoller avant nous. Ils comprennent qu'est-ce que cela peut être une solidarité désintéressée. C'est ce qui s'est passé avec l'Africa Hall à Addis Abeba, la corne de l'Est. Et ici à Dakar, c'est la corne de l'Ouest. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est la même chose. Moi, j'ai été dans ce projet depuis le début. Les Chinois ne nous ont jamais posé de conditions. Les Chinois ont toujours suivi nos propositions, ont toujours tenu compte de nos recommandations, ont contribué non seulement à la contribution, à la construction, mais à l'équipement de ce musée, et ne nous ont jamais posé aucune condition. Certains ont dit que, est-ce que ce ne serait pas une colonisation déguisée? Ben moi, je leur répondrai les yeux dans les yeux, que si c'est une colonisation, c'est une colonisation voulue par opposition à ce qu'on nous a imposé. Alors, pour moi, je me demandais, est-ce que, vous savez, comme en tant qu'archéologue, est-ce qu'il existait des concepts de conservation d'objets d'art? Est-ce que ça a un sens, en fait, de conserver des objets qui sont usuels et rituels
enfermé dans l'hiver et que les gens contemplent de... Honnêtement, c'est une très très bonne question. Parce que ces objets, quand ils ont quitté l'Afrique, ils n'avaient pas le statut d'objet d'art. C'est là-bas qu'on a décidé que c'est ça l'art africain. On l'a basiquement accepté comme ça. Et je suis totalement d'accord. Ces objets n'ont jamais eu le statut d'objet d'art. Et donc, quand ils vont revenir là, il ne faut pas que les gens nous disent où est-ce qu'on doit les amener. Les communautés auxquelles ont appartenu ces objets peuvent décider de les ramener dans la forêt sacrée, peuvent décider de les brûler, peuvent décider de les enterrer, peuvent décider de les remettre au musée pour les croire les conserver. Par exemple, ici, nous avons des conditions optimales de conservation des objets. Mais c'est les communautés qui vont d'abord décider. C'est à des communautés qu'on a volé ces objets. Les communautés vont décider ce qu'elles vont en faire. La Vénus, au tantôt, était dans une vitrine formalisée. Quand elle est rentrée, on l'a réinhumée dignement. Les crânes des génocides commis par les Allemands, en Namibie et autres, quand on les a ramenés, on ne va pas les mettre dans les vitrines, on va les réinhumer dignement. Les hôtels qui étaient volés dans le panthéon africain, les gens pour décider de les ramener dans la forêt sacrée, ils vont être bouffés par les termites et puis on va les reproduire. Où est le problème? Donc, il ne faut pas qu'on nous pose la question, est-ce que vous avez oui ou non les moyens de conserver ces objets? La seule et unique question qui est importante et ici d'ordre est restituer, c'est rendre au propriétaire légitime ce qui lui a été illégitimement enlevé. Donc, qui ne nous pose pas ces questions-là? Ça ne nous intéresse pas. On fera de ces objets ce qu'on a envie d'en faire. Moi, en tant que directeur de musée important, bien sûr, j'aurais souhaité et je souhaite pouvoir récupérer des objets pour les mettre dans les conditions de conservation idéales. Mais mon point de vue n'est pas nécessairement celui des communautés. Les communautés peuvent décider de les récupérer, de les remettre dans la forêt, de les incinérer, de les enterrer, de les broyer. Ce sera leur droit. On n'a pas à nous dire qu'est-ce qu'on doit faire de notre patrimoine. Il y a un roman extraordinaire qui a été publié par une Sénégalaise, Fatoumata Gom, qui s'appelle « Le silence du totem ». Vous l'avez lu? Je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler. Voilà, c'est très intéressant, c'est de la fiction, mais qui revient d'une certaine manière la réalité. Et dans ce cas précis, quand l'objet a été récupéré, avec d'ailleurs un tribunal qui a siégé à l'UNESCO, l'objet était au Kimberley, tout ça c'est de la fiction. Et quand l'objet a été récupéré, il a été remis dans l'hôtel des ancêtres, pas dans une vitrine. Donc je pense que ce débat-là, c'est d'une certaine manière un faux débat. Par contre, ce qui n'est pas faux, c'est que on doit continuer à collecter les éléments de notre culture matérielle. C'est une question je pense que c'est une question de souveraineté aussi, de dire que ça m'appartient, il faut le ramener. Évidemment. Et je pense que d'ailleurs, parce que construire un musée, c'est cher. Hein. Cela a coûté plusieurs milliards. On n'a pas ça tous les jours. Par contre, il est possible de construire des réserves, des espaces de conservation, des objets dans de bonnes conditions. On peut avoir des politiques de construction de réserves dans toutes les régions d'Afrique, où on conserve les objets, on les collecte, on les documente, on les conserve, en attendant d'avoir les moyens de les présenter. Ou même d'avoir une, je sais pas, c'est serait possible d'avoir une autre conception du musée que dans un endroit précis. Bien évidemment, le bois sacré peut devenir un musée. Il y a, musée, il y a plus de 20 ans, Alpha Omar Konaré, l'ancien président du Mali, qui était à l'époque président de l'ICOM, avait dit qu'il fallait je ne cite pas exactement, mais c'est à peu près ça l'idée, tuer le modèle africain du musée. Et c'est ce que nous essayons de faire ici, en traitant de toutes les périodes, en n'étant pas thématique et en refusant d'être prisonnier d'une collection. Juste encore une dernière, c'est quelque chose que j'ai lu dans... J'ai l'ambassadeur d'Espagne qui m'attend. Je suis africaine, je suis prioritaire. Alors, j'ai entendu, je crois qu'il s'appelle Abdelatif Koulibaly, oui, qui a dit, nous voulons retrouver toutes les œuvres qui viennent du Sénégal et que la France voudrait bien nous prêter. Moi, c'est quelque chose qui m'a choqué, c'est-à-dire que c'est à nous. Il n'a pas parlé comme ça. Un fragment de phrase est toujours problématique. Il a dit... restituer la totalité de ce qu'on donne. C'est le journal Le Point hein, qui non, a... Non, mais je sais. J'étais là. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Non. Ce qu'il a dit très, très clairement, c'est qu'en attendant la mise à notre disposition de l'inventaire des biens sénégalais qui sont en France, on accepterait volontiers ce qu'on nous prête en attendant. C'est dans ce cas-là qu'on nous a prêté le sabre, par exemple, de la Jomar, le Coran d'Ahmadou, etc., etc. Mais je pense que les lignes sont en train de bouger et nous, quand on... va recevoir officiellement l'inventaire, on va décider de ce qu'on va récupérer. Bon, ceci dit,
L'objectif, ce n'est pas de dépouiller les musées français. Je vous ai dit et redit que cette période-là, c'est l'Afrique subalpine. On a battu la Jamaïque, on a pris son sable, on a battu son fils, on a pris son Coran. On a dépouillé nos femmes de tous les bijoux qu'on est parti vendre aux enchères pour alimenter les œuvres sociales entre parenthèses de l'armée coloniale. C'est ça qui s'est passé à la colonisation. Ce n'est pas une fixation. La fixation pour nous, c'est de créer l'Africain fier de lui, ayant une forte estime de lui et qui est prêt à aller à la conquête du monde. C'est ça qui nous intéresse. L'Afrique subalterne, on en parlera, mais ce n'est pas notre objectif. Merci beaucoup. Merci à vous.